Arrête de frapper. Il est pas à la hauteur. Et je me cache où? Oh, je suis mort. Où est-ce qu'il se planque? Merde. Oh non! Retourne-toi! Debout! On se dépêche! Allez, levez-vous! Allumez les lumières! Debout, allez! À droite, droite. Je veux parler à mon père. Je lui dirai. Je sais même pas pourquoi je suis là. Vous le savez, vous? Combien de nuits as-tu passé hors de chez toi? Où en est la communication avec tes parents? Je peux même pas parler à mon père. Il travaille toute la journée et moi, je sors le soir. Si seulement il m'avait prévenu en me disant « Reviens dormir la nuit, sinon je t'envoie en camp de rééducation. » Là, je lui aurais parlé. Je perds mon temps. J'ai pas besoin d'un traitement. Est-ce que tu as compris dans quel genre d'endroit tu es? Apparemment, tu as du mal à percevoir la réalité. Quelle réalité? Dos droit. Redresse-toi. Un peu plus en arrière. Tiens-toi droit. Allez, il faut tenir longtemps. Vous devez rester dans cette position pendant une demi-heure. Chaque enfant est suivi par son propre thérapeute. Et c'est la même personne qui suit les parents. Nous sommes un hôpital, mais nous fonctionnons aussi comme une école. Cet établissement dépend de l'hôpital général militaire de Pékin. Est-ce que vous accueillez beaucoup de jeunes qui sont dans le même cas que mon fils? Qui sont déscolarisés depuis un moment?
Oui, il y en a beaucoup. La plupart ont été renvoyés de leur établissement. Certains depuis quelques mois, mais d'autres depuis plusieurs années. Laissez-moi sortir d'ici! Je veux pas rester ici! Je vous l'ai déjà dit! Mais qu'est-ce que vous croyez? Arrêtez de me pipoter! Qu'est-ce que vous voulez? Me faire du mal? Dégage! Un instructeur! Alors je sors? Certains ont été drogués ou on leur a menti pour les amener ici. Qui les a drogués? Souvent leurs parents. Mais parfois, le centre envoie du personnel pour le faire à leur place. Il y en a un qui était en train de dormir chez lui et ils se sont mis à 7 ou 8 instructeurs pour l'amener ici. Il s'est réveillé dans le camp. Ça arrive souvent. Et toi? Moi? Mes parents m'ont embobiné. Ils m'ont dit qu'on allait faire du ski en Russie. Et j'ai fini ici. Comment tu as su où tu avais atterri? Quand j'ai vu le panneau « Centre de réhabilitation psychiatrique pour adolescents », j'ai compris. Je pensais que j'allais bien, que j'allais repartir un ou deux jours après, parce que je me trouvais normal. Mais ensuite, j'ai appris que ça ne fonctionnait pas vraiment comme je me l'imaginais. On m'a expliqué qu'ils devaient nous garder ici pendant au moins 3 mois. Tu jouais combien d'heures par jour? 10 heures. 10 heures? Presque. Et à quel jeu? World of Warcraft. Cet endroit est plutôt un centre de démolition psychiatrique pour adolescents. En fait, voilà comment ça se passe. Ils anéantissent notre mode de pensée pour en mettre un autre à la place. C'est comme un lavage de cerveau. Il a perdu tout contrôle. Il a joué plus de 40 jours d'affilée. Il n'a pas mangé ni dormi pendant plus de 40 jours. 40 jours. À la maison, j'en suis arrivée au point où je débranchais l'ordinateur. Je prenais la batterie et je la cachais. Depuis qu'il a commencé à utiliser Internet, il s'est éloigné de ses amis et de sa famille. Ses camarades de classe passaient à la maison pour l'inviter à jouer dehors avec eux. Mais il refusait. J'ai fini par avoir peur qu'il souffre d'un problème mental. Et tout ce qu'on pouvait faire ne servait strictement à rien. Les jeux l'ont perturbé. Il est même devenu insomniaque. Le mien devenait sale et sentait mauvais. Mais il s'en fichait. Il ne se lavait plus le visage ni les pieds, rien. Il vivait dans un bazar sans nom. Les pantalons, les chaussettes, tout était dégoûtant. Bonjour, professeur Tao. Bonjour.
Ça va durer environ 20 minutes. Ferme les yeux et pense à quelque chose d'agréable. N'avale pas ta salive. Et essaie de ne pas bouger. La dépendance à Internet est un sérieux problème chez les adolescents chinois. C'est même devenu le problème numéro un. En tant que psychiatre, ma mission est de déterminer s'il s'agit bien d'une pathologie. Nous avons noté que ces enfants avaient une nette préférence pour la réalité virtuelle. Ils estiment que le monde réel n'est pas aussi intéressant que le monde virtuel. Nos recherches ont conclu que les patients dépendants passaient plus de 6 heures par jour en ligne, et pas pour travailler ou étudier. Les gens normaux ne peuvent pas imaginer combien les adolescents du centre sont dans la démesure avec Internet. Certains sont tellement esclaves de ces jeux qu'ils considèrent qu'aller aux toilettes va affecter leur performance. Alors, ils portent une couche. Ils fonctionnent exactement comme les toxicomanes. Les accros à l'héroïne en ont tellement besoin qu'ils passent leur journée à en chercher. De la même manière, les adolescents que nous accueillons ici ont besoin de jouer en ligne. Et chaque jour, ils n'attendent que ça. C'est pour cette raison que nous appelons ça l'héroïne électronique. Ouvre le plus grand, fais voir. Lee ! C'est quoi ? Wang ! J'ai rien à dire. De toute façon, vous ne croyez rien de ce que je dis. Avant, ta mère et moi, on pouvait te faire confiance. À l'époque, je te laissais sans problème rendre visite à tes amis quand tu le voulais. Puis j'ai découvert que c'est pas là que tu allais, mais dans un cybercafé. Tu y entrais le soir et tu en sortais le lendemain matin. Si je le décide, je peux arrêter de jouer quand je veux. Est-ce que tu te rends compte combien on a souffert? Tous ces mois où tu jouais en ligne. Tu sais ce que je ressentais? Quand j'entendais le bruit de tes doigts sur le clavier. Sous mes yeux, mon fils a fini par abandonner l'école. Et il est devenu dépendant à Internet. On voit tellement de cas saisissants de ce genre à la télé et au cinéma. Et je ne devrais pas m'inquiéter. Tu crois que je ne sais rien? J'ai attendu devant le cybercafé. Je me disais, mon fils est en train de tomber dans un abîme qui va finir par l'engloutir. J'avais le regard rivé à cette porte fermée. Le matin, des jeunes sont sortis, mais je ne t'ai pas vu. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Tu crois que tu peux te contrôler, mais ce que j'ai vu de toi prouve le contraire. Tu m'as poussé dans un puits sans fond. Si j'avais eu d'autres solutions, tu crois que je t'aurais envoyé ici? Nikki, je comprends ce que tu peux ressentir de ton côté. Mais je vois aussi la peur et la douleur que ta famille éprouve. Est-ce que tu l'avais déjà remarqué? Je faisais pas attention.
Debout. Bonjour, professeur. Bonjour. Asseyez-vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'ordinateur. Est-ce un outil ou est-ce un jouet? Qu'en penses-tu? Je pense qu'il est plus important en tant qu'outil. Et toi? Moi aussi. Toi aussi? Oui. Un outil. Vous êtes tous d'accord? Un outil. Si on dit un jouet, on devra rester au centre? Vous êtes peut-être des experts en informatique, mais vous êtes incapables de faire autre chose. Rendez-vous compte. À force, vous vous servez de moins en moins de votre cerveau. Vous n'en sollicitez que cette toute petite portion quand vous jouez. Beaucoup n'en ont même pas conscience, mais la partie de votre cerveau qui est relative à la vie en société a arrêté de se développer. Terminé. Vous avez peur de communiquer avec les autres. Et quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On fuit. Ils n'accordent leur confiance à personne. Ils sont solitaires et introvertis. Ils sont également immatures pour leur âge. Nous invitons les parents à suivre eux aussi une thérapie. Notre centre est le seul à traiter non seulement les enfants, mais aussi les parents. Dungeon Fighter est un jeu débile. C'est pour les demeurer. Pourquoi tu fais ça? Tu peux pas? Ceux qui jouent à World of Warcraft ont un QI élevé. Lui, il y a joué 3 jours d'affilée. Moi, je joue à World of Warcraft et à la série des Warcraft. Ça fait combien? 15 jours multipliés par 24 heures. Attends, 300 heures. 300 heures. C'est mon record. 300 heures de suite? Non, pas tout à fait. Quand j'avais sommeil, je faisais une petite sieste, mais pas très longue. Et quand tu te réveillais? Je reprenais. C'est pas assez. Essaie de jouer 15 jours pour voir. Mon PC fumait littéralement. Attends. Moi, j'ai passé les 2 mois des vacances d'été à jouer sans m'arrêter. Moi aussi. Attention, hein, tout le temps en ligne. Moi, j'ai dépensé environ 60 000 yuan en jouant à un seul jeu. Ouais, ouais, on sait que t'es un guerrier. Je déteste l'école. Et ma famille, pareil. Another day has gone. I need. Merci. Deuxième rang. Fais chier. Quoi? Viens ici. Rien. Je t'ai entendu dire fais chier. Viens ici. Va là-bas. Salle des instructeurs. Droit.
les bras. Tu as mal agi ? Non ? Je veux m'en aller. Est-ce que je t'ai bien traité ? Réponds-moi, oui ou non ? Oui. Alors pourquoi ? Vous êtes le père de Hacker ? Oui. Vaincre la dépendance, ce serait quoi pour vous ? Qu'il arrête de jouer dans le monde virtuel, qu'il travaille et qu'il vive normalement. Ce genre de choses. Il a laissé tomber l'école ? Oui, il a arrêté. Pensez-vous que Hacker éprouve des difficultés à communiquer ? Oui. Avec qui ? Moi, surtout. Avec vous ? Avant, il était très obéissant et très intelligent. Dites-moi quel genre de père vous êtes. Je suis très dur avec lui. Je le réprimande. Et je le frappe. Il y a eu une période où j'ai été très irritable. Je l'ai menacé de le poignarder avec un couteau. Je voulais surtout lui faire peur. J'avais pas réellement l'intention de le poignarder. Le manque de confiance, ça peut mener au désespoir. S'il ne peut pas vous faire confiance, il ne vous respectera pas. D'accord ? Autre chose ? C'est le geste le plus violent que j'ai eu envers lui. Asseyez-vous. Quand les gens me demanderont où j'étais, je devrais répondre « Dans un centre pour vaincre ma dépendance à Internet. » Oh merde, je sais pas comment faire. Personne ne m'embauchera. Qui vous manque le plus ? Zhao Yi. On la surnomme Zhao Yi. C'est mon premier amour, un amour virtuel. Elle me comprenait. Je l'ai rencontrée sur une plateforme de jeux en ligne. C'est pour elle que j'ai voulu continuer à jouer à ce jeu. On s'est retrouvés pendant... 6 mois. 7 mois. Et ensuite, j'ai eu envie de la voir. T'as couché avec elle ? Non, c'était ta première fois. Arrêtez ! Non, je suis... Arrêtez !
Je suis toujours pur. T'entends ça? Hacker et... Je préserve ma première fois. Je préserve ma première fois. C'est si facile de dire 1000 fois je t'aime. Contrôle C, contrôle V, c'est simple. T'es dingue d'être tombé amoureux en ligne. C'est bon. Couchez-vous! Les parents se font retourner le cerveau par les psychiatres. Ouais, c'est n'importe quoi. Si vous regardez leur définition de la dépendance à Internet, 80% des Chinois doivent en souffrir. Visiblement, on peut être quelqu'un de bien qu'en ayant de bonnes notes. Les miennes sont pas terribles. Mais je suis doué en jeux vidéo. Je me sens super bien quand je gagne. Au moins, ça fait une chose que je fais mieux que les autres. Ça s'est passé à 3h du matin. Pendant sa ronde, un instructeur a vu que certains n'étaient plus là. On m'a appelé pour m'avertir. Ils ont escaladé le mur sans franchir le portail. On s'est évadé. Mais on s'est fait rattraper. On était 7. On a ouvert la fenêtre et on s'est enfui. Ne dites pas que je vous l'ai dit, hein? Présent. Présent. Repos. Ils ont pris un taxi pour aller dans un cybercafé. On les a retrouvés 6 heures plus tard. Ils n'avaient pas petit déjeuner. Tout ça pour jouer en ligne. Ils sont débiles d'être allés jouer. S'enfuir dans un cybercafé. C'est Wang. Tes affaires. Et pas de vagues. Il n'y a que moi? Les jeunes qui se sont échappés pour aller jouer se montrent plus récalcitrants que les autres. Nous allons devoir prendre des mesures pour intensifier leur thérapie individuelle. Nous l'avons installé dans une chambre tout seul. Pendant son séjour, il n'aura personne à qui parler. L'isolement contribue à l'introspection. Fais ton lit tous les jours, sinon on t'enlève le matelas. Et pour les toilettes? Tu demanderas le bassin. Tes chaussures. Enlève-les.
Et dans tes chaussettes? J'ai rien dans mes chaussettes. J'ai préparé une ébauche de protocole de thérapie d'isolement et d'introspection. Respecter toutes les règles de sécurité en vigueur dans la chambre d'isolement. Rédiger un journal d'introspection d'au moins 10 000 mots. Et lire uniquement les livres fournis par les thérapeutes. Il y a un autre objectif auquel nous devons veiller. L'isolement doit être plus bénéfique pour le jeune que les séances de groupe. À terme, il faudra observer les résultats. La plupart de nos élèves devraient systématiquement passer 10 jours en chambre d'isolement dans le cadre de leur traitement. Lève-toi et viens manger. S'il est isolé pendant 10 jours, comment faites-vous pour évaluer cette période? Vous savez ce que ça va lui faire exactement? Vous pouvez le dire? On ne sait pas. Êtes-vous en mesure de juger de l'efficacité de l'isolement? On n'en connaît pas les effets, mais c'est une méthode parmi d'autres. On ne peut pas vous donner de réponse absolue. Vous avez lu son journal? Oui. Est-ce qu'il a écrit quoi que ce soit sur sa dépendance à Internet? Parce qu'il la nie complètement. Hope ne va pas reconnaître son addiction. Il ne dira jamais « Je suis dépendant à Internet et je vais mourir si je ne peux pas jouer ». Il a encore sa fierté. Hacker! Ouais! Qu'est-ce qu'il y a? Pendant l'évasion, je me suis fait mal en sautant par la fenêtre. Le médecin a dit que ma jambe ne grandirait peut-être plus. As-tu appris quelque chose ici? Oui, beaucoup de choses. Par exemple? Comment s'enfuir? Est-ce que dans la vraie vie, tu as des amis avec qui tu peux partager tes secrets? Non. Seulement en ligne? Oui, pratiquement. Pourquoi? Il y a moins d'hypocrisie. Hein? Il y a moins d'hypocrisie. Nikki? Je vais te chercher à manger. Mange? Non. Mange, c'est pour toi. Allez, mange.
réfléchi. Pourquoi je jouais autant? Tu crois que c'est uniquement de ma faute? À la maison, j'ai l'impression de ne pas exister. Aucun de vous deux ne se soucie de moi. Sur Internet, j'ai des amis qui font attention à moi. Je ne me souviens pas d'un jour où on ne se soit pas disputé. Tout ce qu'on pouvait dire te rendait fou. Au téléphone, il nous a même dit « Allez vous faire foutre ». Il ose parler à un adulte de cette manière. J'ai subvenu à tes besoins pendant 16 ans. Et toi? Est-ce que tu as déjà fait quelque chose pour nous? Si tu veux que je meure, je le fais tout de suite. Si tu veux, je te rends ma vie. Calme-toi. Et toi, tu veux mourir? Tu veux mourir? Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous et votre fils. Si vous aviez été seul ici, dans cette situation, que se serait-il passé? J'ai peur pour vous. Au moins maintenant, vous êtes tous témoins qu'il a voulu me frapper à mort. Quand je me sens seul, je parle à un ours en peluche ou à mon ordinateur. Mes amis en ligne ne sont pas fictifs, ils sont réels. À l'autre bout, c'est aussi une personne seule qui est assise devant son écran. Et puis, on prend vraiment soin les uns des autres. C'est important. On a tous besoin de se connecter pour avoir cette attention. Il faut savoir que l'une des plus grandes souffrances qu'éprouvent ces enfants, c'est la solitude. La solitude. Saviez-vous qu'ils se sentaient seuls? Tout d'abord, je crois que les enfants d'aujourd'hui se sentent seuls, parce qu'ils sont enfants uniques. Ensuite, en tant que parents, nous n'arrivons pas à être proches de nos propres enfants. Tout ce que nous attendons d'eux, c'est qu'ils travaillent dur. Leur stress, leurs inquiétudes, leurs souffrances, nous sommes incapables de les voir. Nous nous préoccupons seulement de leurs études. Du moment qu'ils sont studieux, tout va bien. Alors où vont-ils chercher de la compagnie ? Sur Internet. Le monde virtuel offre une multitude de divertissements audiovisuels grandioses. On y trouve des simulations incroyables qu'on ne pourrait trouver nulle part ailleurs. Alors, Internet devient leur meilleur ami.
Et c'est ce qui finit par les relier entre eux. Ils ne trouvent ni satisfaction ni héroïsme dans la vraie vie. Sur le plan émotionnel, ils ont tous atteint le niveau zéro. Aucune émotion. Ils n'éprouvent rien envers quiconque. Ils connaissent Internet par cœur, mais les sentiments humains leur échappent. Ce cercle vicieux peut aussi bien engendrer un simple trouble qu'une pathologie psychiatrique. Ils m'ont dit que je devrais rester ici 4 mois. 4 mois? Et si ça marche pas au bout de 4 mois? Ça fait long. Oh, c'est quoi ça? Quelqu'un a pris mon lit? Tu peux dormir là. Je m'en vais demain. Ok. Je t'ai gardé le meilleur lit. Ils t'ont attaché? Ouais, ils m'ont attaché à mon lit. Hey, hop! Viens dire bonjour. T'es revenu quand? À l'instant. Trop fort. Ça fait 10 jours. Alors? Les 3 derniers ont été durs. J'imagine. Tu étais seule dans cette chambre. Quel genre de progrès as-tu fait? Ma vie est devenue plus réelle et je regrette. On n'aurait pas dû s'enfuir pour aller au cybercafé. On ne voulait pas le reconnaître, mais c'est vrai que c'est incontrôlable. On n'a pas réussi à oublier les jeux. C'est plus fort que nous. Tu es davantage conscient de ce que tu es? Tu es davantage conscient? Davantage conscient? Je suis plus critique, oui. De notre côté, nous nous sommes efforcés de t'encourager à faire des progrès. Et aujourd'hui, tu en as fait. Et tu vas continuer sur cette voie. Mais quoi qu'il fasse, même s'il répète les mêmes choses, ton père restera toujours ton père. C'est sûr. Il faudrait que tu lui fasses sentir que son fils l'aime. Qu'en penses-tu? Pas grand-chose. En d'autres termes, il t'a imposé beaucoup de changements et t'a fait souffrir. Mais ça n'a rien à voir avec les souffrances que toi, tu lui as fait endurer. Il s'agit de l'estime que tu portes à tes parents et de la manière dont tu traites les autres. Avant, tu étais vraiment dur, mais là, tu es différent. Je me sens très mal. Je lui ai jamais rien donné. Je lui ai jamais rien donné. Mmh.
Inutile de t'excuser, mais va devant lui. Je me lève. Appelle le papa 30 fois. Papa, 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 papa. Je t'aime, papa. Ok. Je t'aime aussi. Ok, lève-toi. Non, je veux plus jamais revenir. Plus jamais. Ça, c'est sûr. On s'estime pas dépendant. C'est pas une maladie, c'est un phénomène social. Juste un phénomène social. C'est vrai qu'à un moment, je jouais beaucoup. Mais au moment où je suis enfin devenu un super bon joueur, j'ai dû venir ici.